Salut tout le monde, c'est Magby. Juste un petit mot avant que la vidéo ne commence, restez bien jusqu'à la fin, et une petite surprise pour vous. La fin de l'année approche à grands pas, voilà, vous le savez, hein, je vous apprends rien pour le coup. Il est donc temps pour moi de faire une petite rétrospective de cette année 2017. 2017 a été pour la chaîne vraiment une année de gros bâtards, quoi. Sur l'année, la chaîne totalise plus de 130 000 vues. Je vous jure, c'est énorme. 130 000 vues, voilà, du 1er janvier 2017 jusqu'à maintenant. 130 000 vues, vous kiffez ma tête ou ça se passe comment? 130 000 fois ça, mais vous êtes des dingues, quoi. Vous avez posté sur la chaîne plus de 2400 commentaires. 2400, mon gars. Eh, franchement, je veux pas dire, mais vous portez bien votre nom. Hein. La team charbonneur, bah, les mecs qui charbonnent tout, tu vois, même les commentaires. Paf! L'espace commentaire tombé! Truc de malade, quoi. En faisant cette vidéo, vous doutez bien, j'ai été voir, en fait, l'analytics juste avant. Mais rien que de le redire encore, je suis sidéré. Littéralement sidéré. Vous avez partagé mes vidéos YouTube plus de 600 fois. 600 partages, c'est énorme. C'est vrai que souvent, à la fin de la vidéo, je vous dis partagez un max avec vos amis et tout. Mais là, c'est même plus un max, c'est max de max. Sachant que cette année, j'ai sorti à peu près une soixantaine de vidéos. Imaginez les chiffres que j'ai dit avant pour 60 vidéos. Moi, je trouve ça astronomique. C'est dingue. Et attendez, c'est pas ça le plus ouf. Le plus ouf, je vous jure, c'est complètement, mais c'est trop dingue. Il y a un an, jour pour jour, donc voilà cette vidéo-là, il y a un an, en 2016, nous étions 700 sur cette chaîne. Avec moi, voilà, 701. Il y a un an, pile, on était 701 sur cette chaîne. Comment vous dire que là, on est sur le point de passer les 3000. Les 3000, mon gars, les 3000. Ce qui veut dire que là, du 1er janvier 2017 jusqu'à maintenant, vous êtes plus de 2000 personnes à vous être abonnés à cette chaîne YouTube. Merci. Mais franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci, franchement, 2000 sur un an. C'est complètement dingue. Vous vous dites peut-être, ça y est, il fait sa vidéo remerciement, il en fait des caisses. C'est bon, quoi, 2000, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est ouf, parce que 2000, en fait, c'est deux fois plus que la population de mon village. Là, je suis assis sur mon lit, dans ma chambre. Ma chambre se situe dans un village. Vous êtes deux fois plus d'abonnés à cette chaîne que de personnes dans mon village. C'est ouf, non? 2800, j'arrive même pas à me représenter ça, en fait. Devant votre téléphone, vous êtes 2800, ou devant votre ordi à regarder. J'arrive pas. Bon, après, quand on voit les boosts qui passent à la télé, vaut mieux regarder un abruti avec un t-shirt vert et une casquette que de regarder les merdes qui passent à la télé. Franchement, je vous remercie, mais du fond du cœur. Je vous remercie vraiment, parce que c'est ouf, c'est complètement ouf. Comme je le dis souvent, c'est vrai que quand on voit sur YouTube, il y a plein de gens avec des millions d'abonnés, des chiffres astronomiques, c'est complètement dingue. C'est sûr que moi, à côté, je ne suis strictement rien. Mais là, cette vidéo, je vous parle vraiment de moi, de mon ressenti perso. Je parle pas des statistiques de la chaîne 2017, genre par rapport au YouTube Game, tout. Non, là, je parle vraiment pour moi. Pour moi, c'est clairement un exploit, en fait. Quand j'ai fait ma toute première vidéo, et même quand j'ai continué, jamais un jour j'aurais pensé faire une vidéo avec quasiment 3000 personnes qui m'écoutent et les remercier en plus d'être là au quotidien, regarder mes vidéos. C'est complètement ouf, c'est vraiment ouf. On va être 3000, quoi. 3000, les gars, je reviens pas. 3000. Il y a un an, on était 700, c'est ça qui me rend ouf, en fait. Il y a un an, on était 700, quoi. 700, mon gars. C'est dingue, c'est complètement dingue. Encore un énorme merci, franchement, vous charbonnez comme jamais. De toute façon, vous êtes pas la team charbonneur pour rien, les mecs. Team charbonneur, il charbonne. Alors franchement, merci charbonnant, merci du fond du cœur. Vous êtes les meilleurs, de toute façon, c'est tout, vous êtes les meilleurs. 2018, voilà, c'est notre année. 2018, on va charbonner encore plus, on va aller encore plus loin. On va littéralement, comment on dit ça, niquer des mers. Vous le savez, depuis qu'on a passé les 1000 abonnés, le nouvel objectif, c'est 10 000. Et franchement, moi, je dis, dans un an, je refais cette vidéo. Fin 2018, on est 10 000. Allez, c'est lancé, c'est affiché, c'est dit. Sans avoir acheté des gemmes, des machins, des trucs et tout. Ah non, des vrais humains, des vrais charbonneurs qui aiment bien les kicks qui charbonnent. Cette année, je ferai un max de vidéos. J'essaierai d'en faire encore plus que cette année. Cette année, j'en ai fait une soixantaine. Je sais pas si j'y arriverai, mais voilà. Toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà, c'est la devise. C'est en charbonnant qu'on devient charbonneur. Voilà, c'est la devise de cette chaîne. Après, c'est vrai que selon l'algorithme, normalement, les 10 000, c'est pendant plusieurs années. Mais voilà, l'algorithme, c'est un robot, c'est des trucs à la con. Nous, on est des humains. Hein, on va tout niquer. Les machines, on les emmerde. Donc, dans un an, on est 10 000 et point barre. Et si on n'est pas 10 000, bah on y sera après. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Mais c'est l'objectif. Là! Toujours se fixer des objectifs, les gars. Peu importe ce que vous faites, toujours vous fixer des objectifs. En tout cas, sachez que moi, je prends toujours un plaisir fou à vous faire des vidéos. Voilà, chaque fois, j'aime trop ça. Donc, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que moi, j'aime faire les vidéos. Et apparemment, au vu des statistiques, vous aimez ce que je fais. Donc, je fais ce que j'aime et vous aimez ce que je fais. On s'envoie de l'amour comme ça, mon gars. C'est parfait. Parce que franchement, moi, je fais ça, c'est pour vous partager ma passion pour la musique, partager mes compositions, vous faire découvrir des artistes, etc. Et vous êtes hyper réceptifs. Et pour ça, bah, mille merci, même pas mille, j'aurais dire 3000 fois merci. Je l'avais pas
pas noté, mais là je viens de regarder sur mon téléphone. Sur l'année, vous avez mis presque 9000 j'aime sur mes vidéos. 9000, mon gars. Mais vous êtes des charbonneurs de l'espace, là. C'est quoi? Voilà, c'est énorme. Contre un peu plus de 200 je n'aime pas. Le ratio est astronomique, c'est complètement dingue. Donc je vais continuer plus ou moins sur la ligne éditoriale de 2017 avec plus ou moins les mêmes concepts, en essayant de prendre des concepts et faire plus de vidéos sur certains concepts, hein. Comme les j'écoute vos musiques, par exemple. Ça doit faire au moins 6 mois que je dois faire j'écoute vos musiques, mais voilà. J'essaierai de garder les concepts et d'être un peu plus assidu. Voilà. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des idées de concepts, des idées de collaboration, toutes les idées que vous avez, à les dire en commentaire. Et voilà, si je sens que ça peut se faire et que je me sens capable de le faire, je le ferai avec plaisir. Comme je dis toujours, c'est ma chaîne, mais c'est vous qui la regardez. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Voilà, si tout va bien, si je me suis pas chié dessus au montage, cette vidéo sortira vendredi. Donc voilà, une excellente fin d'année à tous. Charbonnez un maximum de bière ce week-end, voilà, pour finir 2017 parfaitement et le commencer encore mieux. Alors attention, quand je dis la bière, je sais pas Kronenbourg ni Heineken. Faut pas se foutre de ma gueule, hein. Si vous faut pas boire ça, les gars. Vous le savez que mon pays d'adoption, c'est la Belgique. J'ai habité 3 ans en Belgique. Donc quand je dis bière, en fait, c'est plus les trappistes. La Saint-Feuillin, la Triple Carmélite, la Chimée, la Bleue surtout. Je dis ça en rigolant, mais bon, voilà. Vous pouvez charbonner des bières, mais n'oubliez jamais que l'alcool, ça se consomme sans modération. Non, avec modération, forcément. Je suis pas là pour faire en sorte. Allez, les gars, ce week-end, vous achetez des gros bacs de bière et vous mettez des cuites de ouf, hein. Et bon, voilà, c'est la fin de l'année, on sait qu'au nouvel an, on aime bien boire un petit coup, quoi. Tu nous avais pas parlé d'une surprise, McBee, là, parce que tu parles, tu nous casses les couilles, mais c'est quoi ta putain de surprise de merde? Je vais vous laisser avec un best-of 2017 des vidéos, voilà, un peu les meilleurs moments des vidéos. Et le fond, en fait, le fond sonore que vous allez entendre derrière ce best-of, ce n'est autre qu'un extrait d'un de mes prochains morceaux. Voilà, tout est dit. Le morceau n'est absolument pas fini. Ce que vous allez entendre là, c'est complètement brouillon, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je me dis que pour vous remercier quelque part d'être aussi nombreux, d'être toujours aussi fidèles, je me devais de vous faire une petite surprise, un petit cadeau. Et du coup, c'est ça. Je vous balance en exclu un morceau qui arrivera en 2018. Morceau hardstyle, euphorie. Et un morceau original, parce qu'il y en a plein en commentaire qui disent: putain, arrête avec tes remixes, fais-nous des vraies musiques. Et bah voilà, comme ça vous savez que pour 2018, il y a des Made in McBee full complet qui vont arriver, avec des belles voix très charbonnantes et tout ça. Vous n'êtes absolument pas prêts. Donc voilà, je vous remercie encore du fond du cœur d'être aussi fidèles, aussi nombreux. Franchement, vous êtes les meilleurs charbonneurs du monde. Je vous aime tellement, je vous jure. Mais voilà, et je vous aime, merci pour tout, vous êtes géniaux, et n'oubliez jamais que c'est en charbonnant qu'on devient charbonneur.